Yeah. Si. On me disait engage-toi. On me disait bats-toi. On me disait vote Chirac. Hein. On en a dit des trucs, je te jure. Récemment, on me disait: si la droite repasse au pouvoir, c'est perdu. C'est son alter de gauche qui débarque, je suis pas dû. C'est le même rapport de farce qui perdure, je l'ai perçu, ma coquille. Je l'ai percé dans le purin. Je n'ai attendu personne pour flipper, je suis servi. Je suis pas le premier visé, mais j'ai ma place sur la liste. Y'a peut-être un flic sur la piste, P38 dans la poche, perds même pas les pédales. Ce présent me perturbe, Paris fait peur, un peu glorieux, passif. Paris se veut propre, tu parles mon pote. Paris déporte, rafle la baisse bar, passif, idéal, périph. Tant pis si ça se répète, les témoins sont partis. Qui parlent de repentance, c'est de guerre ou de paix qu'il s'agit. Ce pays développe un air baisse, comme un air de baisse. Une prouesse bien française, cette pensée qui paraisse. La pensée paraisse, le passé ne passe pas. Les mots perdent leur poids, n'empêche ce texte est pesé. Bien que pas assez policé pour plaire aux policiers. J'ai passé une étape, le présent me rattrape. Je repose dans la cage à lapin et en piteux état. En cas de perquis, je précise, j'ai pas de baril de poudre, pas de ceinture d'explosif. Pas du tout. Plus lance-pierre depuis 15 piges. Je spiff au bec comme diplôme de paresse. Les portraits de mes potes tapissent pas les murs de la presse people. Plutôt RG pour tout public, peut-être bien. Nos vies privées ne passionnent que le petit personnel patenté et les cours de justice. C'est presque flatteur quand j'y pense, vu mon expérience de l'impuissance politique. Drôle d'ennemi en puissance, tous pareils, faut qu'on parle et se prépare au pire. On apprend à protester, pure perte peut-être mais faut tester. Question de se supporter, la prétention de rester digne. Quand le brouillard s'épaissit, donc conscient que l'heure du pire approche aussi, je fais pas de prophétie. Y'a du pétain dans les discours de plus d'un. Ça opprime pour des calculs de butin. Qui crois-tu que profite la chasse au sang? Pas de fiche de paix, c'est pratique, personne parle. Patron se protège, promet que c'était à son insu. Les parrains du BTP pourraient nous en dire plus. Paraît qu'ils ont perdu la mémoire, permettez. J'suis une épine sous leurs pieds, ce point de vue ne s'exprime que le point de V. La police politique est en place, soyons clairs. Ça pue l'empire déchu à croire que c'est mon album posthume. Juste être bien placé pour voir péter les tours.